Ça y est, on y est. Depuis le temps qu'ils en rêvent, depuis le temps qu'ils en parlent, c'est l'heure de leur entrée officielle dans ce mondial. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite à l'Al Bayt Stadium. L'attente est énorme à quelques minutes du coup d'envoi de ce match à l'Al Bayt Stadium. Salut à toutes et à tous, on a hâte que ça commence. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca à mes côtés, qui est toujours fidèle au poste. On programme ce premier match de poule du mondial pour ces deux pays, la Suisse contre l'Australie. Il n'y a rien qui ressemble à un match de Coupe du Monde. C'est toujours une émotion particulière pour les joueurs, mais aussi pour les supporters. Voyons le 11 qui va démarrer. Le 5-3-2, ça dit déjà une chose. La solution sera sur les côtés. Maintenant, avec ce système, tout est possible. Il va falloir bien occuper la profondeur.
Alors voici la compo de départ. C'est du classique, ce 4-4-2 à plat. Le principal avantage, c'est sa capacité à privilégier l'harmonie dans la gestion des espaces. C'est parti dans cette rencontre de phase de poule du Mondial. Raymond Freuler. C'est pour Shaqiri. Ouais, c'est bien vu cette passe. Ah dommage, ça partait bien, mais le ballon change de camp. Magnifique, quelle passe! Ouais, c'est une interception réussie en pleine surface. Et ça joue sur Djibril Sow. Et Shaqiri dans la surface. Et voilà le but! Goal! À peine installé! Déjà un but! Allez! Le but, c'est la conséquence directe de cette pression sur la relance. Le ballon est repris très haut. Donc au tableau d'affichage. Et le ballon est récupéré sur cette interception. Et bien fait, quelle ouverture! Allez, il faut aller fixer maintenant. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Le corner. Ouh, c'est contré, in extremis. Et la parade, dingue! Quel arrêt! Quelle présence, surtout quel réflexe! À bout portant, c'est exceptionnel! Attention, c'est pas tout à fait terminé. Ah, c'est bien parti. Oh, la volée était bien partie, mais elle est manquée de peu. Pour attraper un ballon comme celui-ci, il faut de l'équilibre, de la technique, de l'excellence. Ah, le ballon circule bien, c'est une phase de préparation pour aller chercher l'égalisation. Ah là là, ballon perdu et ça repart donc dans l'autre sens. Allez, il faut essayer d'aller provoquer la défense. En bonne position. Oui, bien fait de la part du gardien. Un corner bien joué, bien frappé. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Ouais, c'est un pressing efficace. Le ballon pour Djibril Sow. Et le tir, excellente intervention. Voilà, c'est joué court. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Ah oui, l'excellent ballon. Et le gardien relâche dans la zone dangereuse. Oh oui, le but! En dedans, la défense s'est laissée surprendre. Oh,
le revoit. Le premier arrêt est excellent, mais c'est sur le rebond. Personne n'en a suivi dans la défense et du coup, ça retombe tranquillement sur l'adversaire qui a juste le poussé au fond de filet. Ce qui m'étonne, c'est la passivité de la défense là-dessus. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Coup de sifflet de l'arbitre, coup franc. Alors on s'attendait à un carton jaune là-dessus, mais finalement ça ne sera qu'un avertissement verbal. L'arbitre a fait preuve d'indulgence. Il va falloir maintenant s'y faire un peu oublier. Ah, et ce coup franc finit sa course dans les bras du gardien. Ah, le porteur de ballon a besoin de solution. Oh, la frappe au but. La distance n'était pas idéale, mais il fallait tenter. Mais il faut absolument cadrer. Sinon, comment tu veux que le filet bouge ? Et pressing sur la relance. Ah, évidemment, pas besoin de pousser, il mène au score. Alors, autant conserver le ballon. Ah, attention à cette passe. Et le gardien était bien vigilant. Un corner qui est bien ajusté. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Ah, le danger est parfaitement repoussé. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Avec Fernandez. Sous pression. Elle est merveilleuse cette passe. Quelle occasion, ça passe vraiment proche du but. Si le ballon rentre, plus qu'un but d'écart et tout peut changer. Ah, il y a un bon pressing. Shaqiri. Ouais, la vista avec cette passe. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Ouais, ce ballon qui sort. Et c'est donc un corner. Ouais, il est bien frappé ce corner. C'est un corner facilement maîtrisé par la défense. Ballon pour Shaqiri. Ah, il peut prendre sa chance. Ballon dangereux, mais finalement bien intercepté. L'intervention de l'arbitre, c'est terminé. C'est donc la pause à l'Al Bayt Stadium. C'est une prestation individuelle de très haut niveau en attaque. C'est vraiment remarquable. Et oui, toutes ces prises de balles, il dompte le ballon. Et il ajoute un peu de miel pour l'adoucir. Et il le transforme en un but délicieux. C'est de la haute gastronomie footballistique. Allez, c'est reparti la deuxième mi-temps dans cette rencontre de phase de groupe de Coupe du Monde. Oh,
Oui, dans la profondeur. Très bonne frappe, mais elle manque la cible. Et oui, quand on voit ces statistiques, on se dit que c'est comme ça que le football doit être joué. Des occasions, de l'efficacité, c'est pas compliqué en fait. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer, avantage. Ah, c'est une interception réussie en pleine surface. Ça sort. En 6 mètres. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Attention, méfiance avec ce centre. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Freuler. Shaqiri. Mais cette passe n'est pas bonne du tout. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Et il y a un moyen de frapper là. Le ballon est joué en finesse, mais ça termine loin du but. Et on va donc assister à un triple changement dans cette équipe. Interception réussie, ballon récupéré. Le ballon ne passe pas, c'est bien défendu. Ah, le ballon est dégagé, ça va en corner. C'est un corner bien joué, bien frappé. Et ce corner est renvoyé par la défense. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Attention à cette passe. Ah, c'est bien fait pour éloigner le danger. Et il prend sa chance. Et le ballon est renvoyé, attention. Ah, le danger est parfaitement repoussé. C'est plus qu'un sauvetage ce qu'il a fait. Le ballon a décidé de devenir le complice du gardien. Le ballon dans la profondeur. Ah non, finalement, c'est une bonne couverture de la défense. Les 20 dernières minutes de la rencontre.
est bien joué dans la profondeur. Et le ballon est finalement intercepté. Akanji. Un bon ballon là, donné dans l'espace. Allez contrer cette frappe. Une bonne contre-attaque peut-être. Et la défense peine à revenir. Et c'est le but. Et oui, voilà. Plus qu'un but de retard maintenant. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement... intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et pour finir l'action, mieux vaut dribbler le gardien ou frapper en force? C'est la grande question des duels. Cette fois-ci, le passage en force lui a plutôt bien réussi. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Dernière offensive et peut-être un dernier bon ballon à utiliser pour égaliser. Mais quelle erreur sur cette relance! Dans les derniers instants, elle vient récompenser leur abnégation et leur force mentale. Voilà, quand on revoit l'action, c'est encore plus cruel pour le gardien. Il a vraiment commis une grosse erreur sur cette action. On le sent un peu dépité. Quel magnifique état d'esprit pour revenir dans le match. Le score est de parité. La suite de la rencontre va être belle. Okafor. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Oui, c'est bien fait. Et ce ballon passe juste à côté du cadre. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Cinq minutes encore à jouer dans ce match. Okafor. Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme. C'est peut-être le chaos. Aucune difficulté pour capter le ballon. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Ah, le ballon intéressant. Eh, le ballon renvoyé, l'action n'est pas finie. Eh, finalement, ça ne donne rien. Le coup de sifflet final donc dans cette rencontre, pas de vainqueur dans ce débat. Et donc match nul entre les deux équipes. Le score a été indécis pendant toute la rencontre jusqu'à cette égalisation à toute fin de match. Le corner.